Yo les potes, c'est NSQ, nouvelle vidéo. Je vais débloquer le nouveau pack du samouraï de la casse. C'est un pack sauver le monde, mais vous pouvez les avoir en Battle Royale. Mais vous pouvez pas l'acheter en Battle Royale, mais vous pouvez avoir les items en Battle Royale. Du coup, c'est parti. Déjà, on a quête terminée. Alors, on débloque le samouraï de la casse. Donc, c'est le skin, sauf que c'est un skin sauver le monde. Mais vous pouvez l'avoir en Battle Royale après, je vais vous expliquer. Ensuite, on a Raffistolance, une petite arme, c'est pas une pioche malheureusement. Et les défis pour gagner des V-Bucks, terminer des quêtes quotidiennes pour gagner des V-Bucks, d'autres récompenses, terminer la défense de bouclier, blablabla. Au moins ça me refait jouer à sauver le monde parce que j'y jouais plus trop. Et ensuite on a le paquet cadeau. Alors on a quoi? C'est quoi? Pour bien terminer la base. Ok. On a l'accès à sauver le monde, donc si vous n'avez pas sauvé le monde, vous pouvez l'avoir gratuitement. Enfin voilà. Le petit sac à dos. Donc là, vous voyez, c'est un sac à dos. Un style pour un objet que vous ne possédez pas encore. Ok. Et du coup, le skin samouraï de la casse. Ok. Le vrai guerrier est celui qui s'est transformé en arme. Tout ce qu'il a sous la main. Ok. En vrai, il est ultra stylé. Je pense qu'il a plusieurs customs avec masque, sans masque. Non, en vrai, il est méga stylé. On n'a pas beaucoup de skins samouraï sur Fortnite. Il est ultra stylé. Hop, on obtient. On va regarder tout de suite. Alors, héros. Hop, on l'a débloqué en épique du coup. Hop, on a débloqué l'arme. Ok. Et dans le casier, on a débloqué le petit sac à dos. Le sac à dos, il est pas trop gros, donc c'est parfait. Par contre, le boucle, le truc là, le drapeau, il est un peu gros, mais sinon le petit sac derrière là, sans le drapeau, c'est parfait. Oula. Et le skin du coup. Comme j'avais dit, deux custom. Ah ouais, non. Sans le casque, elle est pas ouf. Et avec le masque. Enfin, le casque. Ah ouais. Ah, d'ailleurs, samouraï de la casse. Parce qu'en gros, il a fait son armure qu'avec des objets de la casse. Regardez. Des canettes rouillées, des masques, de machin. Des plaques. Voilà, des panneaux. D'ailleurs, je pense qu'il y a des références. Plockerton et Stonewood, c'est des villes. Cannibal et Twin Peaks, c'est des villes de sauver le monde. Attends! Il y a 4 villes dans Sauver le Monde? Oui, il y a 4 villes. Ok, j'allais me dire une nouvelle ville. Du coup, voilà. Je crois que c'est tout. On va voir les défis parce qu'il y en a plein qui vont me demander comment on a les V-Bucks. Vous allez dans Sauver le Monde, dans Quête. Vous avez toutes vos quêtes, les quêtes donjons, etc. Mais là, on va aller dans Quête en bas à gauche. Et là, vous avez plein d'onglets. Et vous avez Pack de démarrage de du samouraï de la casse. Et là, vous avez vos défis. Mais par contre, pour avoir les défis, si vous avez jamais joué à Sauver le Monde, pour les avoir, eh ben, il faut terminer le bouclier numéro 1. Donc en gros, lancez Sauver le Monde, faites le didacticiel, faites l'intro, etc. Faites les premières missions. Et puis dès que vous les aurez, ça sera bon. Du coup, on a premièrement terminé une quête quotidienne. Donc les quêtes quotidiennes, elles sont juste en dessous, vous voyez. Il y en a une par jour et le maximum, c'est 3 pour gagner 50 V-Bucks. Du coup, voilà, quête quotidienne, vous gagnez 100 V-Bucks plus 100 tickets. Ensuite, quand vous terminez 3 quêtes. Donc en 3 jours, moi j'en ai déjà 3, vous gagnez 200 plus 200. Ensuite, quand vous faites 5 quêtes, vous gagnez 300, 300. Et cette quête, 400, 400. Du coup, c'est en gros en une semaine, vous aurez vos V-Bucks. Et après, pour les tickets, vous voyez, ils sont là. Et puis, vous pourrez avoir des lamas qui sont juste ici. Du coup, voilà, j'espère que je vous ai bien tout expliqué. J'espère que la vidéo a été cool. Ah d'ailleurs, attendez. On va aller en Battle Royale. On va aller en Battle Royale. Tout de suite pour voir les petits skins. Enfin, le petit skin. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la pioche. Mais c'est pas grave. Comparé au skin nounours qu'il y avait eu, le sac à dos, je préfère largement le nounours, le petit nœud papillon jaune. Par contre, le skin, j'avoue que je préfère quand même celui-là. Je vais remplacer quoi? Attendez. Vas-y, je vais remplacer elle. Ouais. Alors, du coup, le petit skin, il est où? Il est. Là. Ok, donc vous voyez bien qu'il est en Battle Royale avec le petit sac à dos. D'ailleurs, les V-Bucks, vous pourrez les utiliser en Battle Royale hein, si jamais vous demandez. Et voilà le petit skin. Du coup, voilà. Je vais me faire mon petit ensemble vite fait. Au pire, hors vidéo. Ouais, je vais le faire hors vidéo. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Ciao les potes. Et pour le concours, les résultats, c'est Bastien qui a gagné, mais. S'il répond pas, eh ben je referai le résultat et il y aura d'autres concours qui vont arriver. Ciao!